Et salutations les mercenaires, on se retrouve pour le prochain événement de World of Tanks qui commencera demain, jeudi 20 octobre, jusqu'au 4 novembre. Alors c'est quoi, qu'est-ce que cet event? Nous aurons des batailles avec une mécanique un petit peu différente au niveau du MM, 15v15 et par la suite il y aura du 10-10, du 7-7. Les chars à roues auront leur MM séparé, full BR là-dedans. Ça va être fun. Et pour win, on aura deux bases à cap où ce sera l'équipe qui aura le plus de dégâts qui l'emportera. On pourra respawn. Nos munitions seront gratos. Pour continuer de pimenter tout ça, on aura trois emplacements pour des capacités spéciales, actives ou passives. On va voir ça ensemble. On va les check. Vous allez voir, c'est du grand Mendes. Alors, petit bouclier magique qui protège de tous les dégâts. Précipitation augmente la puissance du moteur et de la vitesse max. Il y aura récupération pour récupérer donc des points de vie. Ça a été un incendie, ça répare tout. Le tir enflammé, je crois que celui-là je vais l'aimer. Incendie le véhicule d'un ennemi en cas de pénétration. Boum, je te touche, je te perce, tu flambes. Décomposition détruit les chenilles, canon et tout. Là c'est je te pète tout mon pote. Ensuite en capacité passive, il y aura Colosse 25%. Deux points de structure en plus, puits de feu qui augmente le temps de rechargement de 20%, enfin qui diminue son temps de rechargement plutôt, pardon. Blindage enchanté augmente les dégâts que vous infligez par collision et protège votre véhicule des collisions. Ça doit être sympa ça avec le 50 thème lancé à fond. Et sinon, après, on a œil de lynx, réduit la dispersion du canon. Donc tout ça, on pourra en mettre 3 directement. Sur notre char, on les aura dès le début de bataille. Il y aura aussi des bonus à récupérer pendant la bataille sur des zones aléatoires. Et ils seront aussi aléatoires au moment où on les obtient. Donc il y aura Jack Néfaste qui augmente les dégâts de 100%. Jack Enflammé. Chaque coup obus incendie le véhicule. Jack décomposant, chaque coup obus détruit la suspension, canon, tout ça. Donc c'est un petit peu les mêmes que les autres, j'ai l'impression. Jack rapide augmente la cadence de tir de 50%. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal ça. Donc tout ça va se passer sur 4 maps: Murovanka, Studzianski, Pilsen, Rundberg. Donc les lieux marqués sur les maps. Les points de cap, les citrouilles pour les bonus, ça va changer. Là, c'est juste un exemple. Donc, les deux points de cap sont là, par exemple, et les quatre zones de bonus ici. Donc, pour récupérer ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Bien sûr, il y a tout un petit système de progression et de récompense qui en découle. On va voir ça rapidement. D'abord, on a les cinq sorcières qui sont ici. Ah, et qui chappent en plus. Olé! C'est la première de la classe, celle-là. Celle-là, c'est la première de la classe. Putain, le chat, il est enroué, là. Donc, on aura aussi des camos 2D à récupérer. Donc il y en a 5 ici, je vois, cela sera la progression. Il y en aura 2 de plus qui seront dans les lots spéciaux. Donc Bou et Jack de Fer. Voyons voir. Hop. Donc ça c'est pour Bou, il est assez sympa. Jack de Fer, voyons voir, t'es sur le MOS. Des chauves-souris. Et donc cela, ce sera via la progression, hop, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, ouais, sympa celui-ci, sympa celui-ci. Ouais, ils sont tous pas mal, ils sont vraiment tous pas mal. Et enfin voilà, on a fait le tour, un bon survol du topo. Je sens qu'on va bien rigoler. Allez, bon jeu à tous, portez-vous bien.